écoutez, je profite vraiment de ce week-end. C'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Et je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige dans la gueule. C'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Bah, vous avez perdu. Ouais, d'accord, je... Je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme, les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, ouais. Il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas donc moi. Tu l'as commandé, ça? Non, je n'ai rien commandé. Mais quel genre de livraison pour ce toboggan, quoi? Oh, les gars, qui que ce soit, super cool! Les gars, allez, on descend de ce toboggan en toute vitesse! Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette! Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça, les gars, non? Ça craint, non? Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? Je ne veux pas! Oh, allez! Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore descendre des toboggans! Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des airs de jeu. Ouais, un soutien total, les gars! Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant, il fait très froid! Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid aux fesses et je ne veux pas attendre l'été! Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Alida, t'es là? Écoute, je ne vois pas la face de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus, quoi. Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Bah ouais, peut-être qu'elle est coincée là-dedans. Ouais, peut-être qu'elle est plus à l'intérieur, quoi. Juste avant ton temps, faut attendre plus longtemps. Et peut-être qu'à un certain moment, elle sortira, quoi. Dans quelques heures, on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre. Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien, ouais. Monte après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée, gros, là, mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Mais c'est pas possible, quelqu'un l'a construit probablement. Peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs et du coup ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alina. Non, c'est pas une bonne idée, Bruno. Et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi, je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais, écoute, nous devons d'abord le tester, quoi. Lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin, si ça reste bloqué ou si ça roule, mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de pêche? Bah non, on a besoin, mec. Attends, regarde. En voilà un truc qu'on peut lancer. Regarde. Écoute, ce sont des choses précieuses. Mets-les sous l'eau. Non, attends, quel soin on a? Tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi, j'ai bon espoir. Allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben, je suis là. Lance ce bouton. Tu es prêt alors, mon petit gars? Vas-y, attrape. Alors, vas-y. Ouais, j'attrape le bouton. Vous êtes abonné. Et. Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti, laisse-moi là, tout va bien, c'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton « Vous êtes abonné » et maintenant nous avons un bouton « S'abonner ». Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le et je vais attraper le bouton « Vous êtes abonné » en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci, et ça devrait être l'inverse maintenant, hein, Pacha, allez, attrape, mon gros. Et... Comment ça se passe? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne.
qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pacha? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seul vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pacha et moi. Ce bouton doit être remplacé par « Vous êtes abonné ». C'est très important pour notre chaîne. Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va! Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, 3! Alors quoi, ça a marché? Pacha, notre abonné est le meilleur, il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, là, on fait quoi? Et maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé. Ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'allez pas faire ça, les gars, vous n'allez pas faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec du veste. Mais tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste. Alors, je vais le faire descendre plus tard. Allez, je descends! Allez, une mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance les vestes! Le premier est parti! Le deuxième est en place! Allez, les agiles! Allez! Allez, on y va! Eh non, mais. Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même! Voilà! Dans quoi on s'est encore foiré, les mecs? D'accord! Allez! Les gars! Vous devriez essayer aussi! C'était génial! Elle semblait même un peu plus longue qu'il n'y paraît! Les gars! Vous me faites une blague ou quoi? D'accord! Vous jouez à un cache-cache! Où je suis, voilà, t'es là. Voici ta veste, Pacha. Il fait incroyablement froid ici. Oui, je l'ai remarqué, ouais. Je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Ouais, il y a une chance. Alina! Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Non, elle est pas ici, je te le dis, moi. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à l'intérieur, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur, j'ai un coup d'œil de Jetbar. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez me séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aimais pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, on voit, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée. Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous?
Non, il n'y a personne. D'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno ! Maja ! T'es où ? Bruno ! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars ? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés ? Oh ! Elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes assis ? C'est une casquette de Julien Bruno ? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce ? Oh, SCP ! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en avant et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de Julien Bruno, une casquette pour Bruno, elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la bande de casquette ? C'est probablement la tête et les bras ou votre côté. Bruno, attrape ! J'espère qu'il va l'attraper. Mais il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça ? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vole. Quelque chose ? C'est ma casquette ! Mais d'où vient-il ? C'est ainsi que les choses tombent du ciel, même. Apparemment, du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina ! Alina ! Merde, il n'y a que de l'eau. Alina ! T'es là ? Ouais, sûrement. Elle est où, alors ? Alina, nous sommes là pour toi ! Alina ! Tout est dans l'eau, putain ! Ouais, mes pieds sont déjà trempés, même si vous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh, vache, il y a un passage ici, viens ici. Ouais, j'arrive. Attends, quoi ? Voilà, oh, regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, ouais. Ouais, qu'est-ce que ça signifie, hein ? Nous ne sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend, moi, le problème maintenant. Ouais, le problème, il est clair, ouais, je l'ai dit, ouais. On va résoudre. Je comprends, le problème, c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut retrouver Alina, d'accord ? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alina ! Alina ! Bon, non, on va t'enfuir, là ! Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je suis pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca ! Mais pourquoi tu le touches avec les mains ? C'est de la merde ! Ah bah, ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme. Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Mais les empreintes d'Alina. Chut, t'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Pacha, Pacha, chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre bleu avec la foudure, mec. Suivons-le, suivons-le. Mais toi, t'as connu pas, peut-être quand nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Je le suis. Mais t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi. J'en ai ras le cul, moi. Macha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec. Ouais, c'est pas terrible, mais une bonne chose qui part, quoi. Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines ? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Huggy Wuggy. Ouais, je vois ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, 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 on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront la réponse décente. Écoute, avant qu'il nous voit, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais. Partons d'ici, allez. Allons-y, allez. Pacha, les êtres humains... Sortons d'ici, allez, 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 allez. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Non, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré.
Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait quoi? Eh bien, contrôlez-moi, car l'important est que ne soyons plus poursuivis par Aguiwagi. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau, moi aussi. Mais nous sommes dans une grotte, à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les. Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non? Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, disons, d'accord, allons vérifier. Aguiwagi devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le clébard, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des bananes, regarde ça. Des bananes d'ailleurs, elles plus sont noires, elles sont savoureuses. C'est parti, bon appétit. Mais c'est un petit peu trop vrai, c'est pour ouais, j'en veux pas moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le foie avec ça, il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde ce qui est arrivé à ces concombres. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Ouais. Les humains, je vous ai trouvé. Aguiwagi, tu es pas pourri. Attrape. Elle est tombée. Ah ouais, là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, juste. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, 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 allez. On y va. Allez, viens. Allez, allez, allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors les pantoufles, alors écoutez, faisons comme ça, ce comme ça, que je pense que c'est câble. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons nous ici. Je fais un nombre de nœuds pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir l'avant ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive, les gars. Ouh, c'est tout. Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il fait incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars. Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? Les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il faut se cacher. Nous vivons sous toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan. Donc, il vient d'un monde parallèle. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Les gars, si j'ai bien du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. Alors, waouh, les gars, se trouve en ce moment à un plan de monstres et ils en ont de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes. J'aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement il ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons
like préféré de tous les temps. Ces bonbons like sont très difficiles à trouver. Il y en a très peu dans les magasins. Et sur le point de tous les manger, ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sur cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sous cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne voulera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre ou il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment, je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Oh, autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Mes bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait les guider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs, et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons, mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. J'ai pas suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous ne voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? Attention, il faut le surveiller pour qu'il ne me voit pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai pas un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Huggy Wuggy ne nous rattrape. Oh. Écoute, c'est une hallucination, c'est Jeff qui est allongé devant nous. Nous aussi, on a l'impression que c'est le cas, tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alida. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, d'accord, ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans tout ce toboggan. Puis elle est sortie, puis voilà, t'as pas tenu. Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Écoute. Jeff. Écoute, ta parole va rester allongée ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Oh, le voilà! Très
viens, allez, partons d'ici à l'heure, ouais. Oh, Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, hein. Non, j'y arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute, tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des bonbons de toute façon, et s'il nous reste ici le temps, okay, on fait quoi alors? Ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas, ouais, on devrait monter. L'échelle? C'est ce toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, monte-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette. L'air cool. J'ai pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Regarde, écoute, c'est vrai. Vas-y, tourne-la, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi, ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà. Je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Non, non, je ne te quitte pas. Tu devrais nous faire que faire, hein? J'ai une idée, j'ai des bonbons, je peux faire comme mon père m'a appelé à marchander, on va réussir, t'as marre. Hé, Maggie, écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons? Des bonbons, Maggie, ils sont aussi différents aussi. Regarde, c'est un pour William Bruno, regarde. Si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons. Deux fois plus bons. Eh bien, jouez, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons. Goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Allez, viens, l'échelle et allons vers le portail. Et écoute, et où est Jeff? Apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite. Ils sont pas dedans maintenant, hein, Guiwagi et Jeff. Allons-y, on y va, allez. Ok, grop, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir, allez. Quelque part par ici. Oh, quoi de neuf? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassé de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Mais c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais... putain... Mais si c'est un autre monstre, alors... on s'en fout, qu'il me sort. Vas-y, je vais pour qu'on l'ait. Traîne-moi. Deviens-tu? Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si grave. Mais tu sais réparer les échelles, quoi. Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper maintenant. Tu vas la casser maintenant, mon gueule. C'est des gros bruits. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pacha se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je ne sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que Jeff était là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, ils les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions, pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter.
Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce Taiki Waititi. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. C'est quoi? C'est un Taiki Waititi, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un Taiki Waititi pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Écoute, franchement, on est dans la merde. Mais moi, j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP et il nous a mangé. Et on a vraiment envie de tout à fait, ouais. Nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle, comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, des gros problèmes. Bah, putain de chef, avec un bateau, tu peux trouver le code et nous faire un petit coup, hein. Allez, allez, là, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde, où est Alina? Écoute, Pacha. Je crois que Jeff nous a emmerdés. Vous sortir d'ici, mon grand. Et aussi, Haki Waki. Écoute, lâche-toi. De toute façon, ils nous ont déjà appelés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Godzilla Frack. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire, est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? Oh, d'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain, la corde, s'il te plaît! La corde, Alina! Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, on peut en trouver une corde si longue. Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Je sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais, donc je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vous laisse quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez. Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors, merde, jusqu'où il faut entrer? Lina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais! Oh, Pacha, vas-y, ça a marché! Allez, continue un peu! Très bien, on est là! Mais là, nous avons un problème! Alina, coupe la corde pour que Haki Waki ne grimpe pas après nous! Ouais, vas-y, Alina! D'accord! Les gars, je suis là pour vous! Écoute, Alina, nous avons une tâche très importante! Je pensais que j'étais mort, moi! Il faut boucher ce trou immédiatement! Ouais, faisons vite, allez! Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre monde! D'ailleurs, tu l'as bien fermé, car ici, c'est la sortie vers notre monde! Et celle-là, c'est l'entrée vers le monde parallèle! Je comprends plus rien maintenant! Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures! Qui descend comme ça, c'est dangereux! Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Fallait l'attendre, c'est tout. Bonjour, les gars.
Salut tout le monde. Wow les gars, nous allions attraper Spider-Man et essayer d'enlever son masque pour dévoiler son identité et découvrir enfin qui c'est quoi. Ouais, qui se cache sous le masque de Spider-Man. Mais pour l'attraper, nous devons organiser une sorte de cambriolage. Spider-Man a son pouvoir d'araignée et il réagit au crime, c'est donc logique. William, Bruno et moi devons jouer à une scène de crime. À quoi tu penses, Bruno ? Le pouvoir d'araignée ? Tu voulais dire le sens de l'araignée, qu'il fait réagir à tous les crimes qui se produisent dans la ville, Alina ? Oui, bah, c'est la même chose, tais-toi, Bruno. Bon, enfin, pour que Spider-Man sente qu'il y a un danger dans notre studio et qu'il vienne ici, nous allons commettre un vrai crime ici, juste là, quoi. Ou plutôt, nous allons faire semblant qu'il y a un crime. Je vais soi-disant voler Alina jusqu'à l'arrivée de Spider-Man, quoi. Les gars, je vais voler le sac d'Alina, là. Mais chut, ne le dites pas, Spider-Man. D'accord, tourne-toi pour que ça soit inattendu. Les voleurs attaquent toujours de cette façon, non? Je m'attendais à rien du tout. Quelle belle journée. Hop là, donne-moi le sac. S'il vous plaît, non, le sac. Non, il faut que tu me donnes ce sac. Je te le vole. Je veux te le voler, putain. C'est mon sac préféré. Non, c'est mon sac préféré maintenant que je vais voler et vendre au marché noir. Non, Spider-Man, on m'a volé mon sac. Personne ne m'attrapera jamais car je suis le voleur le plus doué. Et mince, il est visiblement en retard, mais où est donc Spider-Man? Je ne vois pas du tout Spider-Man. Écoute, je pense qu'il nous faut un crime un peu plus grave que celui-là, quoi. J'ai une idée. Laquelle? Aïe! Ah merde! Écoute, Alina, ce n'est pas bon, là, arrête ça! C'est déjà un crime contre moi et c'est déjà très sérieux, ça! Je suis sérieux, arrête ça! À l'aide! Je crois qu'on a réussi. Wow! Il y a un danger quelque part. Génial, on a vraiment réussi. Mais merde, Alina, tu m'as fait super mal, toi. Le plus important, c'est qu'on ait pu le faire venir. Écoute, c'est quoi notre coup-plan, en fait? Ben, en fait, tu sais, il faut préparer quelques pièges pour neutraliser Spider-Man, quoi. On doit le ligoter et lui enlever son masque. Alors, on commence, là. Sinon, elle saura qu'on l'a piégé. D'accord, allez, Alina, à trois, on porte la table. Trois! C'est étrange, mon pouvoir d'araignée me fait venir ici, mais je vois personne. Tu vois, il dit aussi pouvoir au lieu du sens. J'avais raison, Bruno. Mais je m'en fous, bordel! Allez, pousse! Ok, il faut faire le tour du bâtiment, voir ce que je peux trouver. Ok les gars, Alina et moi avons décidé de lui faire une surprise et de placer toutes nos souricières que nous avons trouvées dans le couloir, les gars. Elles sont toutes chargées et prêtes pour la bataille. Bon les gars, l'idée c'est qu'on va faire du bruit en jetant le sac d'Alina qui pèse très lourd par terre pour que Spider-Man entende qu'il s'est passé quelque chose ici. Et là, il va venir en courant et va se faire prendre de nos souricières. Après, on l'attache et on le démasque. Il n'est pas terrible ce plan, mais c'est le plan de William Bruno. C'est un plan génial, les gars. J'espère de recevoir une médaille pour ce plan. Écoute, il faut d'abord qu'on se cache. J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Laissons tomber le sac et... Ouais, il y a un tremblement de terre quelque part. Il pense que je suis stupide. Il pense que je vais tomber dans ce piège. C'est con, ça. Mon sens ne me trompe jamais. Voilà un indice. Où sont les criminels? Aïe.
C'est bizarre, il faut aller voir tout ça, là. Les gars, le dernier essai de William Bruno a échoué, comme je le pensais. Et il va essayer de trouver un nouveau plan cette fois-ci. Allez, William Bruno. J'ai tout compris, les gars. On va prendre Spider-Man dans un plus gros piège. Et pour l'attacher sur ce truc, là, ouais, je vais vous raconter. Écoutez, on va mettre là du crime ici pour que Spider-Man vienne vers ce pistolet, vers cette arme de crime. C'est un pistolet d'un vrai criminel, ça. Et le sens de Spider-Man devrait le conduire vers ce piège. Et dès qu'il entrera ici, quoi, Alina, montre-moi ce qui va se passer, là. Hop là, et Spider-Man sera pris dans notre piège directement. Nous le pendrons au plafond et dès qu'il sera suspendu à l'envers, nous lui enlèverons son masque. C'est un plan très compliqué, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. C'est toi qui vas tirer la corde. On va tirer la corde ensemble parce que Spider-Man est très lourd, lui. Bon, ça y est, il faut se cacher parce que je l'ai vu, il te cherche. Ben, j'ai lu sur internet que les araignées ne voient pas du tout l'orange. Donc, cette corde, elle va être invisible pour lui. J'ai tout préparé à l'avance. Nous sommes prêts à attraper l'araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, je crois qu'il l'a repéré. Prépare-toi, tiens la corde. Je la tiens et toi tiens-la aussi. Génial, les gars. C'est le pistolet du criminel. Je commence à comprendre. Ah, je sens quelque chose. Alina, il est dans le piège. Tire, allez. Il n'est pas... Merde, ce piège n'a pas marché. Ton piège n'a pas fonctionné deux fois de suite. Le prochain, c'est moi. Arrête de m'accuser, Alina. C'est juste que Spider-Man, il est vraiment cool. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé dans mon putain de piège. Je suis d'accord avec toi, car notre adversaire est vraiment un mec très sérieux et professionnel. Oui, vraiment. Hé, hey, c'est qui? Qui essaie de m'attraper? Sors de là, sinon ça va être pire. Tu vas avoir des problèmes. Eh bien, où sont-ils? J'ai fouillé tout le bâtiment, il n'y a personne. C'est pas possible que mon sens m'a trompé. Ah voilà, les gars, on s'est caché de Spider-Man pendant tout ce temps et on lui a préparé un nouveau piège. On va l'appeler, il va vite courir jusqu'ici, il va trébucher sur cette bande et on va lui mettre ce filet de pêche pour l'attraper et enfin le démasquer. Comme ça, on va découvrir son identité, les gars. Spider-Man! Spider-Man! Non! Hey! Au secours! Quelqu'un est en danger! Spider-Man! Au secours! Je crois qu'il arrive! Ça a marché! Allez, on lance le filet! Allez! Ah mince! On se cache! Mais où? Vous ne pourrez jamais m'attraper! Comment il a pu esquiver? Vous avez vu ça? Il a fait 4 saltos d'affilée! Attends! Qui entre dans le studio? Je n'attends personne, moi! Mais écoute, c'est peut-être Artem? Ou Savik? Mais il est tard, là! Regarde-moi! Voilà, voilà! Ne fais pas le bruit! Ils peuvent nous remarquer! Voyons ce que nous pouvons voler à ces blogueurs, là! Tu prends ce côté et je prends l'autre, là! Ok! Oh, Lina! Ce sont des bandits! Ce sont de vrais voleurs! Je n'ai jamais pensé que nous pourrions être volés, Alina! Ils ne sont pas venus au bon moment parce que Spider-Man est là. Il est juste ici, d'ailleurs. Des bonbons! Je prends tout le paquet. Ça pourrait bien se vendre au Darknet. Du beurre? Ça va apparemment nous servir. Il y a l'école qui commence le 1er septembre, on va le vendre aux enfants. Mais d'où ici, vous allez? Oh, une veste. Ah, je crois que c'est de ma taille, là. On va la porter quand il fera froid, d'accord? Ça va, mec? Oh. Elle est cassée. D'accord, on va le faire réparer, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est rien. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Bon. Je savais qu'il y avait un crime quelque part dans le coin. Mon super pouvoir m'a pas trompé. Ah, Spider-Man, vas-y, allez, attrape ces bandits! Waouh! Ça, on va le revendre.
Je crois que c'est tout. Partons d'ici. Et toi ? Arrête-toi, là ! Merde ! Je t'ai dit de te taire, idiot ! Putain. Spider-Man nous a eu ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Faut sortir d'ici ! Mince, j'ai plein de toiles d'araignées sur le visage. Mais regarde comment il les a tous recouverts. Ça y est, les criminels. Donne-nous les sacs, ils sont à nous. Mais vous allez au poste de police, c'est compris, d'accord? Ouais, compris, ouais. Et voilà, c'est fait. Mon sixième sens ne me trompe jamais. Spider-Man vient de nous sauver des vrais criminels, les gars! Alina, écoute, il faut qu'on découvre qui se cache sous le masque! À quoi ressemble notre héros? Et le remercier! Écoutez, il faut qu'on prépare un plan tout de suite. Ah ouais? J'espère que Spider-Man va venir m'arrêter parce que je suis en train de voler la voiture de William Bruno! Haha! Je vole la voiture de William Bruno! J'essaie de la cambrioler. Oh non, mince, elle va me voler ma voiture. Vous savez combien de temps j'ai dû économiser? Elle est en train de la voler devant moi. J'aimerais que quelqu'un m'aide. Mince, quelle galère. Encore un crime. C'est un travail pour Spider-Man. Personne ne peut m'arrêter. Tu sais conduire au moins. Pourquoi tu as besoin de cette voiture? Arrête-toi là. Voilà, Alina, ça y est, Spider-Man est inconscient maintenant. Allez, on l'emmène au studio. D'accord. Alina, je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé où l'on va pouvoir enlever le masque du vrai Spider-Man. Oui, oui, dépêchons-nous. Merde, j'ai les pieds collés au sol, Alina. Merde. Je ne peux pas m'approcher de Spider-Man. Je crois que... Je sais de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Ça arrive à chaque fois qu'il y a très peu de likes sous nos vidéos, les gars. Tu t'en rappelles? Oui, oui, je me souviens. C'était quand on faisait une vidéo sur Bane. Oui, dans la vidéo, on enlevait le masque de Bane, ouais. Et on était collés presque toute la vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Et il faut qu'on règle ça maintenant. Il faut qu'il y ait au moins 100 000 likes sous la vidéo pour qu'on puisse continuer. Et alors les gars, si vous mettez 100 000 likes, nous n'aurons plus jamais cette maladie, n'est-ce pas Bruno? Bah je ne dirais pas que c'est une maladie, c'est juste qu'on manque d'un peu de vitamines dans le corps. Allez les gars, encore un peu, ici, Emile et Alexia, allez les gars, Alexia, mets-nous un like. Salomé, Salomé, mets-le aussi, Rémi, le bain. Voilà, 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 je crois que les gars commencent vraiment à mettre un tas de likes. Oh, oh, mince les gars, je me sens tellement heureux quand vous nous aidez à faire nos vidéos les gars. Sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose. Écoute, il nous faut enlever un truc, tu t'en rappelles? Le masque. Oh, voilà, c'est le moment légendaire, les gars. Regardez. Je l'ai, je l'ai. Il est totalement inconscient, il est vivant, moi. Bon, on dirait qu'il respire, tout va bien. Il ne lui arrivera rien de grave. Maintenant, nous enlevons le masque de Spider-Man et découvrons qui se cache derrière. Hop là. T'es sûr que tu l'as enlevé? Comment c'est possible? Écoute, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Il faut vérifier encore une fois. Oh, mais comment ça se fait? Alina, mais ils vont bien finir par s'arrêter, ces putains de masques. Oh bon, hop là. Oh bah je ne peux pas croire. Mes yeux. Alina, qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais pas, mais on lui voit encore quelques masques. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous le masque de Spider-Man, il y a Spider-Man? Apparemment, oui. Je sais pas exactement combien il y en aura, mais apparemment un million, quoi. J'ai une idée. Prenons-en quelques-uns pour nous. Elle en a déjà assez, lui. Écoute, c'est une bonne idée. C'est quoi ce truc là-bas? Spider-Man, je sens que tu es ici. C'est Venom. C'est vraiment Venom dans notre studio. Hey, Spider-Man, retournons. Maintenant, le truc qu'on lui a fait respirer, il va durer quelques heures là. Je sais que tu es quelque part par là. Spider-Man, réveille-toi s'il te plaît. Nous avons des problèmes, de gros problèmes. Et qu'est-ce que tu vois, Spider? Tu ne pourras pas le réveiller. Mais quoi, Bruno, tu vois? Bruno, merde, Spider-Man, lève-toi s'il te plaît. Spider-Man, lève-toi.
besoin de toi, là, sinon il va tout détruire. Je sais que tu es là. Mais c'est bon, il est temps de se lever, Spider. Il est juste là, il arrive. Dépêche-toi. Spider-Man ? Allez, mec, il attaque, attaque-le. Spider-Man, te voilà. Je vais te casser. Tu l'as bien mérité, Spider-Man. Oh, tu l'amènes. Je vais encore revenir. Spider-Man, ça va, mec? Il y a quelque chose qui ne va pas. Spider-Man, t'as quand même chassé ce Venom. Alina, j'ai réussi. Qu'est-ce que t'as réussi? Tout ce temps, Spider-Man était inconscient. Après qu'on l'ait neutralisé, quoi. Je me suis rendu compte qu'on n'avait aucune chance de battre Venom. Mais je me suis souvenu qu'il existait ce truc qu'on appelle une poupée vaudou. Alors je me suis précipité et j'ai fabriqué cette petite poupée vaudou de Spider-Man. Donc alors t'as dirigé Spider-Man et il m'a sauvé. Je veux dire, et tu m'as sauvé, toi. C'est pour ça que Spider-Man s'est comporté bizarrement pendant le combat et il n'a toujours pas dit un mot parce qu'il est encore inconscient, tu vois. Regarde ça, je lave sa main droite et je la lâche maintenant. Mais comment t'as obtenu l'ADN de Spider-Man? J'avais un tas de ses masques. Et comme les masques font partie de son corps, c'est de là que vient son ADN. C'est vraiment intéressant, ça. Bon, essayons quand même de réveiller Spider-Man. Allez, Alina. Salut, Spider-Man. Où suis-je? Tout est bon. C'est fini, maintenant.